Et salut tout le monde, c'est Siphano, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Stranded Deep. Est-ce que c'est le dernier épisode les amis? Je ne sais pas, je ne pense pas très honnêtement. Aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour commencer à crafter des choses et tout, mais je vous retrouve d'abord sur le menu pour checker 2 secondes le cartographeur qu'on ne peut pas faire en jeu, en tout cas je ne crois pas. Pour vous montrer un petit peu où on en est. Alors, je pense qu'on va aller explorer, eh bien on va l'explorer, je pense, ces îles là, vous voyez, ce petit triangle d'îles. Donc il faudrait qu'on aille comme ça, etc. Pourquoi, vous êtes en train de me dire très certainement? Eh bien tout simplement parce que je me suis renseigné sur le truc qui me manque, le... J'ai oublié le nom, mais c'est un sort de ruban adhésif qui apparemment, d'après le wiki, se trouverait dans les... Alors déjà je vais revérifier que j'en ai pas, pour être sûr. Mais si jamais j'en ai pas, ça se trouverait dans les placards en métal, vous savez, qu'on trouve dans les différents bateaux. Donc, il faut que j'aille explorer des endroits que je n'ai pas encore explorés. Et ces trois endroits-là, je ne les ai pas explorés. Donc, il me suffira de repartir avec le bateau en arrière, là où on était, c'est-à-dire sur l'île sur laquelle on était la dernière fois. Et ensuite de remonter, etc., de se faire un petit archipel. On n'aura pas le temps de tout faire, je pense. Mais je pense très certainement que je vais essayer de trouver ça pour la prochaine fois, si jamais on trouve pas ça aujourd'hui, de mon côté. Comme ça, on se retrouvera pour le dernier épisode la prochaine fois, l'épisode du vendredi, dans lequel on fera tout ce qu'il nous faut pour partir. Voilà. Donc je pense un petit peu, voilà comment on va s'organiser. Mais, on a d'abord un ou deux petits trucs à faire. Notamment, j'avais dit que j'allais essayer de faire des crafts. Donc on va essayer de faire ça. Et j'arrive. Quelle heure il est? 5h29 du matin, ça va, du coup ça va, le soleil va se lever. Donc j'ai soif, j'ai faim, alors soif c'est pas très grave vous allez me dire. Parce que, ah oui alors par contre, oui voilà j'allais dire, j'étais pas dans les bonnes dispositions. On va boire un petit peu, voilà, parfait. Encore? Non, je ne peux pas encore, très bien. C'est la tristesse. C'est pas grave, le soleil est en train de se lever, donc on va revérifier que je n'ai pas ce truc. Et dans tous les cas, on va crafter la base, on va crafter le sol. Voilà, on va commencer à crafter notre radeau. Donc, rappel rapide, je retourne dans Raft. Il me faut la Wood Raft Base. Donc, il m'en faut 14, j'en ai 12. Et il me faut un lashing. Donc, on va commencer par faire ça. Avant ça, on va juste revérifier que je n'ai rien hein, oublié, mais visiblement pas. En tout cas, attendez, ça je vais le mettre là. Je vérifie que j'ai rien, hein, mais bon, donc non, ce wood là, on s'en fout. Fishing spear, crude spear, palm fronde. Non, donc malheureusement, et là-dedans on a des trucs, mais non. Malheureusement, j'ai pas ce qu'il me faut. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va faire. Ah bah je sais pas où aller. Ah bah c'est génial, j'ai lâché un truc. What? Ah elle est là. Ok. On va commencer par se faire un lashing. Alors j'ai trop de trucs évidemment. Donc on va lâcher ça tiens. Ces trucs là. Ces trucs qui m'ont pris de la place pour rien entre guillemets. On va le prendre. Donc il me faut. Hop, j'imagine quand même que là ça a dû. Bien Ah oh, tiens. Ah mais j'ai pas la place, c'est pas grave, on va voir après. Ça a dû bien pousser. En tout cas suffisamment pour ce que je veux. Au pire il doit y avoir un yucca qui traîne. Au pire ouais là-bas il y a des yucca. Au pire si vraiment j'ai besoin. Hop et yucca vas-y. Voilà comme ça. Il y en a plein. Donc on va commencer par se faire un petit lashing. Qu'on va récupérer, que je ne peux pas récupérer. On va. Alors attendez. On va y arriver, vous inquiétez pas, mais c'est juste qu'on est un petit peu plein. Ça et ça. Ok, donc on va venir récupérer. Voilà, et on va venir récupérer. Où est le truc? Non. J'ai pas fait ça. Où est le truc? Il est là. Ok, donc en théorie, j'ai de quoi. Je vais aller vers l'eau. J'ai de quoi me faire la base. Voilà, j'ai de quoi me faire la base. Ah bah, il y a un truc qui est parti, c'est pas grave. Hop, on va aller dans Raft et on va se faire du coup la Wood Raft Base. Donc 1 sur 1 et 15 sur 14. Alors je peux pas me la faire encore une fois, j'imagine qu'il faut que j'aille vraiment dans l'eau. Je comprends. I can build here this. Ah voilà, là. Et là je peux la mettre.
Ok, la base est là. Ok, on est bon. Alors maintenant, il me faut raft, il me faut le sol. Donc pour le sol, il me faut juste 4 bouts. Ça devrait être assez facile à récupérer, je pense. Pour ça, il suffit juste que je vienne, que j'en prenne un, deux. Voilà, il va falloir que j'en recasse un. Donc nous, on vient de cette île, hein, rappelez-vous. Donc là, on doit aller par là-bas si vraiment on veut optimiser ça. On va faire tomber cet arbre-là, je pense. On va récupérer un tout petit peu plus de bois. D'ailleurs, il faudrait que je récupère les palmes frondes aussi. C'est vrai que j'y pense pas, mais il faudrait que je récupère les palmes frondes. Ça serait plutôt utile. Voilà, on récupère les palm logs. Hop. Comme ça, ensuite, on peut se faire. Comme ça, on commence à se crafter le début du bateau. Voilà, on tente. Parce qu'on a été quand même beaucoup en voyage ces derniers temps. Donc, autant quand même faire 2-3 trucs avant de bouger. Histoire d'être bien. Par contre, j'espère vraiment que je vais en trouver hein, du fil adhésif. Parce qu'alors, sinon. Si j'en trouve pas, on est dans la merde. Je pourrais pas finir. Donc je sais pas. Alors attendez, hop. Raft, tu viens ici et tu fais ça. On va. Par contre, j'ai cru voir un truc qui ne me plaît guère. Ah, mais c'est ça moi qu'il me faut. Pourquoi est-ce que je peux pas? Ah ça y est. Non! Ah bah si. Ok. Ok. Non, d'accord, c'est bon. J'ai réussi en fait. Je l'ai bourriné parce qu'il apparaissait pas et en même temps je l'ai mis. Ok, donc on a notre début. Donc ça c'est on va dire le flotteur et ça c'est la partie sur laquelle je vais être bien. Et il faudra juste que je mette mon truc pour aller plus vite. Bon, bah très bien. Du coup il est 8h30 du matin. Ce qu'on va faire c'est que on va prendre ça. Alors, attendez, je revérifie que là-dedans. J'ai pas ce qu'il faut, imagine. C'est pas ça. Je crois pas que ce soit ça. Attends, imagine c'est ça. Propulsion. Duct tape, non c'est pas ça. Ok, donc on va juste save. Il est pas en train de s'en aller le bateau là. Non ça va, il reste là. On va juste save. Et puis écoutez, on est parti. Donc là, l'objectif, encore une fois, c'est d'essayer de. Bah, c'est d'essayer de trouver tout ça. Donc là-bas, c'est clairement de là que j'arrive de la dernière fois. Hein. C'est la fameuse île d'ailleurs que j'avais explorée, que je pensais être au nord et qui en fait était à l'est. Donc, moi, mes îles, elles sont au-dessus de celle-là. Donc techniquement, par là-bas. Voilà. Techniquement par là-bas, donc on va commencer direct. On va pas perdre de temps. Donc là, c'est la petite île qu'on voit ici qui entourait les trois autres. Et une fois qu'on serait allé au bout de celle-là, on pourra à ce moment-là avoir distingué les autres îles derrière. Alors, est-ce que je vais la voir aujourd'hui? Je ne sais pas. On va voir. On va essayer. On va essayer. Peut-être, quitte peut-être, j'ai dit peut-être, mais peut-être vous faire un épisode un peu plus long. Enfin, ceci dit, s'il y a des ellipses de traversée, tout ça, je ne sais pas, mais j'allais dire pourquoi pas essayer d'y passer, non pas une, mais peut-être 2 journées, tu vois, voilà, peut-être tout ça, et comme ça, la prochaine fois, on pourrait faire le grand départ, ça pourrait être pas mal, je pense, parce que là, on peut constater que l'île est quand même assez loin, et que derrière, il y a 3 îles, et j'espère quand même que dans ce combo de 3 îles, je vais trouver un foutu bandage, un foutu duct tape. Il me faut ça parce que derrière, sinon, j'ai tout, hein. J'ai les 4 trucs. J'ai. Bah, le reste, ça se craft. Ouais. Il me faut juste ce foutu bandage et on sera bon. Donc on y croit. Et par contre, là que je suis en train d'entendre le bruit du requin, on n'a toujours pas vu. À mon grand regret, c'est vrai. Mais on n'a toujours pas vu, les amis, de. Comment on appelle ça? De baleine. Et ça, c'est vraiment mon grand regret. Parce que. Parce que j'aurais kiffé. Parce que j'aurais grave, grave, grave kiffé. Bref, toujours est-il que on s'approche. On va s'approcher au moins de cette île déjà. Et puis après on fera un contour, je pense. Hein, mais là on en est encore assez loin. Hein. On va voir. Mais alors pour la baleine, je comprends pas, hein, vraiment. Ou alors ils l'ont enlevé. Est-ce que c'est possible qu'ils l'aient enlevé, les amis? Je pose la question. Est-ce que c'est possible qu'ils l'aient enlevé la baleine? Qui se sont dit oh tu as peur de ma vie? Tout va bien, j'ai mon truc qui vient de griller. Non, c'est bon. Attendez, j'essaie de réparer ça. Allô, bonjour. Ok. J'ai eu la peur de ma vie. Je sais pas si vous l'avez vu, ça fait.
J'étais en mode wow, qu'est-ce que tu me fais là? Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Donc je sais plus ce que je disais, voilà, ça m'a fait peur. La baleine! Ouais, la baleine! Parce qu'on voit qu'il y a des raies, on voit qu'il y a des petits poissons, on voit qu'il y a un requin. Et donc j'aimerais bien la voir. Bon, après, encore une fois, voilà, c'est une aventure découverte. Ah, regardez, regardez, on voit la première île, la deuxième île et la troisième doit être tout au loin là-bas. Donc voilà, voilà notre petit archipel d'îles que l'on va explorer. Mais du coup, on part sur celle-là hein, directement, c'est la plus en bas. Et ensuite, on remontera et tout. Hein. Mais ouais, c'est une aventure découverte. Donc voilà, mais c'est vrai que je sais qu'il est possible, comme vous me l'aviez dit, de tuer, de voir une baleine. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé voir tout ça, mais bon. C'est pas encore terminé, déjà. Et puis, bon, voilà. On sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Bon, du coup, par contre, là, elle est loin. Hein. Elle est loin. Et alors, pour le coup, tiens, si on devait commencer à faire un mini bilan, je peux en profiter là. Petite déception pour ces îles. Franchement, petite déception parce que. Attendez, il y a un truc là-bas. Aussi. Ouais, non, 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 c'est. C'est autre chose, je pense. Je pense que les îles sont pas par là. Je revérifierai sur le cartographeur au pire. Non, c'est une petite île à droite. Ouais, petite déception sur ces petites îles qui. Bah, finalement, qui étaient vachement inutiles. Enfin, je dis ça et j'habite sur l'une d'elles, mais. Qui est vachement inutile sur le principe, en fait. Sur le principe, c'est vrai que c'est pas terrible. Alors que, sinon, c'est vrai que ça avait quand même la classe. Tu te dis, putain, des petites îles désertes et tout, mais. C'est vraiment les grandes qui sont le plus intéressantes parce que les petites. Bon, ouais, tu. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire par rapport à ces petites îles, par exemple. Ça m'intéresse. Et donc après, donc attendez, je suis en train de voir, hein, mais donc là, on est sur celle de droite. Il doit y en avoir une plus au nord, que je vois pas là. Et ensuite, il y a celle-ci. Ouais. Doit être ça. Et j'espère vraiment qu'on va trouver. Ah, est-ce que je l'ai pas vu? Non. J'espère vraiment qu'on va trouver ce qui nous intéresse, parce que si jamais on trouve pas ce qui nous intéresse là-dedans. Et bah j'ai un peu fait toutes les îles en fait, un peu toutes les grandes îles. Alors peut-être qu'il y avait, mais que je l'ai pas pris. Et là ce serait une erreur. Et honnêtement, si c'est le cas, j'ai complètement la flemme de refaire tout. On verra. On verra bien. Donc bon. Nous verrons en temps voulu. Au pire. En fait, on va s'offrir deux fins possibles. Première fin. La positive, je réussis et du coup je réussis à trouver ce qui m'intéresse et du coup prochain épisode on termine en se barrant, en rentrant chez nous. Deuxième fin, négative, je vois un bateau. Ah je vois la dernière île là-bas. Donc voilà nos trois îles, on est bon. Dernière fin négative, je ne trouve pas le ruban et du coup, eh bien je me fais une table, une cabane, tu vois, genre. Et je termine ma vie sur mon île. Ça bouge beaucoup là. C'est celle-là. C'est celle-là. J'étais en mode, où est mon île? Bon, en tout cas, on voit un bateau, tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On y croit. On y croit très fort. Bref, voilà donc comme ça un peu j'ai pu dire un petit peu tout ça. J'espère quand même qu'il va pas faire nuit avant que j'arrive sur la première île. Je pense pas, il était 8h du matin donc on va arriver sur le coup des midis je pense. Par là. Je sais pas du tout. On va voir ça. Bon. Donc là clairement il y a un bateau. Par contre le bateau m'a l'air retourné et ça me plaît pas des masses. Parce que du coup ça veut dire que j'aurai pas l'armoire. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et il est en fait, il est déjà tard, hein, je crois. Quelle heure il est? Oh, il est déjà 14h. Putain, j'ai mis tellement de temps. Bon, après, ce sera plus rapide d'explorer ces deux autres. Hein. Mais là, j'ai mis tellement de temps. Oh my god. Oh my goodness. Ouais, eh bah. Eh bah, écoute. Bah, écoute, voilà. J'ai envie de te dire. Ah non, 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 non. Là, tu me. Non, 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 non. Tu te casses, le requin. Attention, concentration. Parce que alors là, s'il me fait tomber là, je suis tellement. Dégoûté. Et du coup, est-ce qu'on va faire un. La nuit va arriver, donc est-ce qu'on fait autre chose ou est-ce que je vais explorer ça hors caméra si jamais je trouve rien ici? Je sais pas, je vais voir. Je pense que j'explorerai ça hors cam, honnêtement. Ça va être un peu répétitif en fait, ça sert à rien de nous faire un épisode long s'il est répétitif. Et comme ça, vous aurez la surprise la prochaine fois de vous dire.
qu'est-ce qu'il va y avoir comme fin la prochaine fois? Est-ce qu'il peut se barrer? Ou est-ce que, au contraire, il est dans la merde? Justement, je me dis, ça peut être une fin à suspense. Oula. Vite. 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 Attention, il y a des rochers. Il y a des rochers. Il y a des rochers. On y croit. On y croit. On va se garer ici. Hein. À se garer, entre guillemets. J'aime bien dire se garer à chaque fois. Ok, alors. Première chose à faire, les amis. Parce que. Putain, faut pas que je me fasse attaquer. Si je me fais attaquer, je suis tellement deg. Attendez, je flippe un peu ma race en fait. Parce que si je me fais attaquer, je meurs. Et je dois tout me retaper. Donc je veux save d'abord. Je veux save d'abord. Tu vois? Histoire d'être sûr d'être à peu près tranquille. Hop. Vas-y. Après, il va falloir que j'aille chercher les trucs pour me faire un lashing. Oh, j'aurais dû préparer ça avant. J'aurais dû préparer ça avant parce que là. Faut que j'écoute en fait. Faut que je vois si j'entends ou pas. Oh, il y a des yuka. Oh, il y a des yuka. Les gars. Parfait. Ok, alors, rapidement. Oh, il y a une caisse. Ouais, mais je sais pas si ça je pourrais. On va faire un lashing. Et du coup, vite fait, structure. Ah, putain, il me faut des pommes frondes, c'est vrai. Alors, on prie. Allez, on y va. On y croit. Je suis obligé de me faire un abri parce que, franchement, vu le temps que j'ai mis pour arriver sur cette île de malade, obligé. Alors. Voilà, comme ça maintenant si je me fais buter par un serpent qui traîne, je suis tranquille. Regardez quelle heure il est? Il est déjà 16h. Il va déjà faire nuit, putain. Alors, ici, on n'a rien. Alors ici. On a un hammer, d'accord. Et ça j'ai déjà. Et le problème c'est ça, c'est que dans ces bateaux comme ça. Il y a un très intéressant. Un peu dégoûté. Un petit peu dégoûté. Attends, on va voir par là-bas quand même, mais bon. Il y a un très intéressant. Bon, le hammer, c'est pas mal, surtout que j'ai vu qu'il avait écrit qu'il allait me falloir un hammer pour démarrer. Pour démarrer. Qu'est-ce que c'est-il fou là? What? C'est peut-être la suivante, je ne sais pas. Il allait me falloir un hammer. Donc bon. Pour démarrer mon bateau. Donc c'est pas plus mal, mais ouais, donc il n'y a pas d'autres bateaux. Bon, bah écoutez, tout ce trajet pour si peu, mais en même temps, on aura eu, et ça c'est important je pense, on aura quand même eu le début de la construction du bateau ensemble. Donc ça c'est bien. Là la nuit va tomber, donc bon, le problème en fait, je vais répondre à une dernière chose. On me demande souvent, mais pourquoi est-ce que tu passes pas la nuit avec nous, machin? Parce que le problème, c'est que la nuit ne nous fait dormir que 8 heures, je crois. C'est-à-dire, en fait, il faut que j'attende une bonne partie de la nuit avant de dormir, parce que sinon, je me réveille en pleine nuit à 3 heures du mat, quoi. Donc, c'est le problème. Et puis, je trouve aussi que ça rythme bien les épisodes. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à l'épisode 13. C'est-à-dire qu'on est notre 14e jour, parce qu'au début, il y avait écrit 0. Et c'est l'épisode 14, donc c'est bien en fait, c'est bien rythmé, on fait un épisode un jour et je trouve ça vraiment bien, finalement, ça passe. Ça fait vraiment... ça fait aventurier quoi, enfin ça fait le mec qui fait sa petite exploration pour de bon et tout. Il y avait vraiment rien ici. Chier ça. Ça c'est chiant. Donc voilà, voili voilou voilà. Donc les amis, l'épisode prochain sera très particulier, je ne vous retrouverai a priori pas ici, je vous retrouverai à la maison. J'aurai exploré ces îles. Je sais plus lesquelles c'est, mais ça doit être celle-là et celle-là. J'aurais exploré ces îles. Oui, parce que celle-ci est là. J'aurais exploré ces îles. Et du coup, j'aurais peut-être ou pas en ma possession le truc. En sachant que je l'ai peut-être laissé à d'autres endroits sur la map au loin. Mais on va se placer d'un point de vue entre guillemets RP, c'est-à-dire que je suis pas censé avoir
un record d'avance, etc. Tu vois, enfin, genre, le mec, là, il est sur son île, il trouve pas de ruban. Bon, bah, très bien, et donc je peux pas partir si je fais toutes les îles de l'archipel, tu vois. Et puis aussi, parce que ça va être chiant, vous avez vu là, le temps que ça me prend à chaque fois de venir. Donc, si je devais me retaper toutes les îles qu'on a déjà explorées en plus, j'ai pas terminé. Donc voilà, donc ça fera une fin, soit la fin homme de Cro-Magnon, soit la fin civilisé, on rentre chez nous, on verra bien. Sur ce, eh bien, ça me paraît quand même pas mal. On a posé les bases du bateau, il nous manque le dernier truc. Je trouve ça un minimum bâtard, très honnêtement. Je le dis alors que peut-être qu'on va réussir, mais je trouve ça un minimum bâtard de se dire, attends, t'as dû trouver 4 trucs, et maintenant que t'as les 4 trucs, bah en fait il te faut encore un truc. C'est genre, je trouve ça un petit peu salaud. Mais bon, après ce n'est que évidemment mon avis, j'ai faim, j'ai soif, tout ça, et la nuit tombe. Donc c'est le moment de s'arrêter. Merci beaucoup, vraiment et sincèrement, d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se dit à très vite pour le dernier épisode, c'est sûr. Mais quel dernier épisode? Eh bien ça, je vous laisserai découvrir très vite. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. Bye bye.